L'ensemble Amici Miei est un jeune ensemble professionnel à géométrie variable, composé de comédiens, chanteurs et instrumentistes professionnels issus pour la plupart des grandes écoles européennes. Outre le côté défense du patrimoine et redécouverte des musiques anciennes oubliées, nous mettons un point d'honneur au partage par le biais de projets pédagogiques, notamment en direction des collèges et des lycées. C'est dans ce cadre que nous avons décidé de mener un projet en partenariat avec l'Institut Saint-Dominique de Mortefontaine afin de monter la comédie L'Amour Diable, écrite en 1708 par Marc-Antoine le Grand, comédien de Louis XIV. Elle a aussi la particularité d'avoir un divertissement musical qui se trouvait à la fin de celle-ci et qui malheureusement a été perdu. Nous avons fait tout un travail de recherche afin de retrouver cette musique qui malheureusement n'a pas abouti et nous avons décidé d'insérer de la musique de la même époque afin de compléter donc ces parties musicales manquantes. L'efficacité et le comique de cette pièce résident dans le caractère bien trempé de chaque personnage qui ont des caractéristiques bien spécifiques avec des défauts très prononcés comme le père atteint d'avarice et le personnage par exemple que je vais jouer moi-même qui s'appelle Polycrase qui est le précepteur des deux enfants et qui a la particularité d'être un ivrogne. L'important comme je le disais précédemment c'est le partage et la pédagogie. Nous avons la chance de travailler avec l'Institut Mortefontaine sur plusieurs niveaux puisque les 5e, 4e et 3e du collège ainsi que des lycéens vont se joindre aux professionnels pour réaliser le spectacle, donc L'Amour Diable. Ils vont travailler la danse, le théâtre et le chant. Ils seront pour cela accompagnés toute l'année par des intervenants spécialistes dans ces différentes matières. Ils auront la chance également de se rendre dans différents lieux pour assister à des concerts autour de cette époque, de prendre conscience de la diversité des arts à cette époque, de leur richesse et également du rayonnement de la France sous Louis XIV. Ceci va leur permettre de développer différentes capacités et de s'épanouir dans d'autres domaines que ceux dans lesquels ils peuvent s'épanouir dans un enseignement, on va dire, plus traditionnel, où la théorie a malheureusement plus souvent part que la pratique. Ils pourront donc ainsi découvrir la danse et danser eux-mêmes sur scène, découvrir le théâtre et pratiquer donc le théâtre sur scène, puisque certains d'entre eux assureront des rôles, même certains des rôles principaux dans la pièce. D'autres classes danseront, d'autres classes chanteront, puisque plusieurs chœurs interviennent dans cette comédie. Nous espérons que par le biais de ce travail, en mai prochain, non seulement nous aurons une très belle représentation, ce dont je ne doute pas, mais qu'également certains élèves auront eu la chance de découvrir des choses sur eux-mêmes, de découvrir peut-être une passion, peut-être un talent, et surtout qu'ils aient pris confiance en eux et qu'ils aient pu s'épanouir au travers d'un projet artistique de qualité.